Le Salon international de la voiture de collection s'est déroulé à Paris du 5 au 9 février 2020. Plus de 1000 voitures, 620 exposants et une galerie d'art automobile avec ses 60 artistes. Radio Île-de-Ré a littéralement succombé pour un photographe belge, Johan Vandenberghe, quand la passion prend le dessus et devient un mode de vie. J'ai suivi des cours pour travailler avec l'appareil en fait. Et du coup, j'ai découvert une passion qui était là. Travaillant à la fois en monochrome ou en couleur flashy, Johan capture des images qui se distinguent par l'originalité de composition et l'utilisation de la mise au point. Son objectif est de créer une œuvre d'art intemporelle qui encourage le spectateur à considérer le sujet sous un nouveau jour. Je n'ai pas de règles générales, je travaille surtout sur mon sentiment et du coup ça peut être des détails d'une voiture ou même une voiture entière. Ça dépend un peu comment ça se présente au moment et comment sont les conditions et je fais un peu comme je le sens. Les œuvres de Johan Vandenberghe sont présentées en édition limitée sur des matériaux haut de gamme et ont été exposées à travers l'Europe. One, two, three, four. Vous trouverez les coordonnées de cet artiste dans le déroulé de ce vidéo-reportage. Join us on the next track.